Alors, let's go. Allons-y, passer le permis, chat. Boum, Karl Brown, passe le permis. E. Examen du code. 100$. Ouais. Oh putain, chat, on est parti. Bienvenue à l'auto-école de conduite, tous les citoyens. Ok, test théorique. Le test théorique coûte 200$. Ce n'est pas remboursé si vous échouez au test. N'ayez pas peur, l'auto-école accepte le crédit. Ok, super. Examen de conduite. Le test de conduite, 500$. Tout comme le test théorique, ce paiement ne sera pas remboursé si vous échouez. Assurez-vous de rester vigilant lorsque vous conduisez et évitez les accidents. Démarrer. Ok. Oh putain, on descend un truc là. Sans indication préalable, la vitesse dans une zone résidentielle est de... rien. Et deux. Chat, ça commence bien. Bah oui, j'en sais rien moi. C'est 50. Résidentiel, 30. Putain, on est bien. Chat, aidez-moi. Oh, débrouille-toi. Ah, vous êtes pas sympa, les gars. Débrouille-toi. Oh, vous êtes pas sympa. 30 ou 50? 30? Ah, comment c'est... Allez, c'est... Ça y est. Comment ça marche? Allez, 30. Voilà. Un piéton et un feu rouge. Que faites-vous? Je les avais laissés passer. Vous observez avant de continuer. Vous faites signe pour... leur dire de traverser, vous continuez car votre feu est vert. Putain, mais j'en sais rien, moi. Faites signe pour vous observer avant de continuer. Laissez-les passer. Moi j'aurais mis observer, oui. Observer avant de continuer. Allez, vas-y. Quand pouvez-vous continuer à conduire à un feu? C'est quoi cette question là? Quand c'est vert, quand il n'y a personne au carrefour, quand vous êtes en zone scolaire, quand c'est vert ou rouge et que vous tournez à droite. Quoi? Quand c'est vert? Quand vous pouvez continuer à conduire à un feu. Quand c'est vert ou rouge et que vous et que tu tournes à droite. Oh bah merde. Quand... oh putain, on va perdre 200$ là. Non, quand c'est vert. Allez, vas-y, quand c'est vert. Si vous roulez à 80 km/h et que vous vous approchez d'une zone résidentielle, vous devez accélérer. Tu ralentis. Ce qui est autorisé lors du dépassement d'un autre véhicule. Vous le suivez de près pour le passer plus vite. Vous le dépassez sans quitter la chaussée. Vous roulez à l'opposé de la route pour passer. Vous dépassez la limite de vitesse pour le dépasser. Vous le dépassez sans quitter la chaussée, c'est ça? Ouais. Vous roulez sur une autoroute qui indique une vitesse maximale de 120 km/h, mais la plupart des trafiquants roulent à 125 km/h. Vous ne devez donc pas rouler plus vite que... à 120. Quel taux d'alcoolémie est classé comme conduite en état d'ébriété? Mais j'en sais rien, moi! Je travaille pas à la police! 005. Ah. J'en sais rien, moi! 006? 005? 018? Hein? Oh, on va louper le machin!
Si vous tournez à droite, à un feu de circulation, mais que vous voyez un passage pour piétons, que faites-vous ? Vous dépassez le piéton. Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres véhicules dans les environs. Vous attendez que les piétons aient traversé. Vous tirez sur le piéton et continuez. Ça ? Lorsque vous êtes dépassé par un autre véhicule, il est important de ne pas ralentir. Vérifiez vos rétroviseurs. Regardez les autres conducteurs. Augmentez votre vitesse. Il est interdit d'augmenter sa vitesse. C'est ça ? Il est important de ne pas. Oh, vous êtes en train de me faire faire nimpe. Avant chaque changement de voie, vous devez vérifier votre rétroviseur, vérifier votre angle mort, signaler vos intentions, tout ce qui précède. Bah, tout. Bravo! Bon travail! Bim! Karl Braun, crac! Bande de nullos, vous êtes des nullos! Combien j'ai fait de fautes, on sait pas. Fermez.